Salut à tous, c'est Crazy, nous voici de retour sur Crusader Kings 2 pour le 26e épisode de ce Let's Play, toujours consacré à l'Empire Byzantin. Donc dans le dernier épisode, on avait réussi une conquête ici très importante pour nous, qui est la conquête de Jérusalem, qui nous a donné ici donc le Pentarque de Jérusalem. C'est parfait, il nous reste donc plus que celui d'Alexandrie pour pouvoir mettre fin au grand schisme. Il nous manque plus que celui-ci et... il nous faudra un score de piété de 2000. Ah, on est pas, on en est loin encore. Intéressant. Intéressant. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. On va aller essayer de mettre fin ici au pillage qui hante notre pays depuis pas mal de temps déjà. Alors, on a perdu ici notre sacristain. On va en nommer un nouveau. Ils sont pas très doués. Stéphania Macedon a atteint désormais l'âge légal de la majorité et est devenue ecclésiastique soumis. Parfait. Alors, au niveau de la religion, on en est où là dans notre contrée? On va envoyer ici notre sacristain faire du prosélytisme afin de convertir tout ce beau monde. Alors, on a combien de troupes là du coup, nous maintenant, après la guerre? 45 000, d'accord. Évêque Anatalios de Acerno a usurpé le titre de évêché de Acerno de Demetra. Très bien. Djihad pour Gujarat. Le sunnite calife Abdul II a décidé d'en appeler au djihad contre les païens dépravés du royaume de Gujarat II. Il presse tous les musulmans sunnites vertueux de prendre les armes contre le Maharaja. Ça, c'est intéressant parce que du coup... ça veut peut-être dire que ça nous laissera le temps, nous, justement, de nous occuper d'Alexandrie. Même si on brise la trêve. Ah, par contre, ici, du coup, ma mission à Karti est un succès, d'accord. Ouais, du coup, je disais ici, récemment conquis, évêché de Jérusalem... oui, donc ici, comme c'est récemment conquis, c'est pas terrible au niveau de la religion. Nouvelle maison est passée au premier plan politique de Amalfitain sous patricien Evangelos de Atsidakis. Ils peuvent avoir des noms normaux. Avec la mort de Cosmos Gazis, l'illustre maison de Gazis s'est éteinte. Hein, d'accord. Ils sont en train de marcher sur mes terres là pour piller justement. Ça commence à m'agacer ici. À m'agacer, pardon. Ici, on a des catholiques, des iconoclastes. Faut qu'on fasse attention à tout ça. Hein. Et je pense qu'une fois qu'on aura mis fin au grand schisme, on pourra plus facilement faire de conquêtes. Donc l'Italie sera peut-être plus facilement... à nous. On va l'exécuter, lui. Voilà. Les pillards, ça va bien 2 minutes. Mais quand on en a trop comme ça, c'est pénible. Du coup, lui, il est actuellement en guerre sainte. Ah, je briserai peut-être la trêve quand même. Hein. Il a que dalle en troupe. Mon neveu ici n'a pas d'éducation. On va le faire ça tout de suite. On va l'éduquer en art martial. Ouais, je briserais bien la trêve, moi. Même si c'est pas très bien vu. Ça me coûterait 5243 de prestige, la moitié de mon prestige, et diminuerait de 20-25 l'opinion que tous les dirigeants musulmans ont de nous. Parce que 1019, c'est loin quand même. Hein. Il aura largement eu le temps de finir sa conquête, là.
On va voir, je vais le mettre en. Je vais le mettre en. Comment dire, en vérification, ce personnage-là. Comme ça, je pourrais voir. Parce que du coup, ouais, il est parti à la conquête de ça, là. Parti à la conquête de l'Inde. Est-ce que briser la trêve, c'est pas forcément super génial quand même, hein? Il commence à m'agacer sérieusement. Johann Alatios a été élu nouveau doge de la Grande République de Amalfi. Très bien. Ils viennent d'où, eux, là? Il a rien, il a pas de terre, il y a que dalle. Là, je pense qu'on va réussir à le choper, par contre. Bougmestre Innocentius pense que je prends trop de risques avec mes frasques. C'est tellement exaltant, je perds moins 15 ici d'opinion. Allez, 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 j'espère qu'on va l'avoir. Non, il a réussi à repartir en bateau. Mon vassal, pardon, despote Anushirvan II de Hachimide Shamdom souhaite qu'un vassal de rang inférieur actuellement à mon service passe sous son autorité. Je l'impressionne avec de vagues promesses, ça me permet de. Ça, c'est parce que j'ai une diplomatie élevée que je peux faire ça. Du coup, ils partent où là? Je pense qu'ils repartent chez eux, tant mieux. Un jeune artiste réalise actuellement une icône d'inspiration divine représentant Saint-Pierre. Et puisqu'il a besoin d'être parrainé pour terminer son œuvre, nous pourrions le mettre dans notre chapelle. On va perdre 104 en or, mais 1 en intendance. On va faire ça tout de suite. Ça me paraît nickel. Sous l'emprise de l'alcool, Shimon de Norcia a parlé à tout le monde de mon complot visant à tuer Prince 10. Dick Paul de Bavière. Ma réputation est foutue. Ouais, d'ailleurs, il menait pas loin ce complot là, j'ai l'impression. Hein. On a 14% en plus là. Mon petit-fils qui est un bâtard en plus. Allez, dans les ordres. Je savais qu'il y avait un énorme ours quelque part près des grottes à Constantinople et l'un de mes courtisans a insisté pour nous accompagner lorsque mes hommes et moi sommes allés chasser l'animal sauvage. Cessez de me harceler, vous pouvez venir. 30% de chance que Samuel Paron acquiert la caractéristique blessé. Très bien, c'était un ours énorme, je n'en ai jamais vu d'aussi gros. Je l'ai combattu vaillamment mais il avait déjà été blessé plusieurs... Il avait déjà, pardon, blessé plusieurs de mes hommes lorsque j'ai enfin réussi à le terrasser. Mais j'ai réussi à sauver Samuel. C'est qui lui? Allez, je vais gagner 10 en prestige. Il est blessé. C'est triste, mais c'est comme ça. Ah ouais, donc là, Alexandrie, là, ça me tente bien quand même. Hein. L'hérésie iconoclaste est apparue dans la province de Amalfi. Ça, c'est chiant par contre. Ça c'est pénible. C'est des iconoclastes, j'en ai ici aussi. Alors il en est où mon sacristain là? On va attendre que ça soit converti par là et puis on fera. Ah c'est là. Non ça c'est sorti de ça. Ma nièce vient d'avoir une fille, parfait. Mais qui n'est pas de sang royal apparemment. Ah ça y est, ils ont une fille. Ils ont eu une fille. On va surveiller. Hein. Sous l'emprise de l'alcool, Shimon de Norcia a parlé à tout le monde de mon complot, encore une fois. J'ai bien envie de l'abandonner, ce complot-là. Au final. Ouais, je pense que je vais l'abandonner parce que les choses ont évolué du côté de cette famille-là. Donc ça ne sert plus à grand-chose. Lui, ça sert à rien de comploter non plus.
Elle, c'est ma petite fille, par contre, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah, qu'est-ce qui m'agace, eux. Qu'est-ce qui m'agace. Ils reviennent à chaque fois. Pour en demander plus. Il y en a quoi de ces troupes? Est-ce qu'il perd des troupes avec ces guerres là? Il y a 20 000. Les courses de chars sont prévues pour bientôt à l'hippodrome. 8 coureurs des traditionnelles équipes des bleus et des verts vont courir pour la gloire sur la piste. On va soutenir les bleus. Et bien sûr, ils vont perdre. Je sais comment choisir un gagnant, donc c'est bon, ils ont gagné. 50 en or, 50 en prestige, c'est parfait. Il en a combien de piété, lui? Parce que c'est sûrement lui qui répare le grand schisme, il est pas beaucoup, hein. 246. Zénon de soulèvement du iconoclaste a déclaré révolte de deuxième... C'est mélangé à chaque fois. Deuxième révolte byzantine, iconoclaste à Basileus Marcos le Sage. Eh ben, on va s'occuper d'eux. Ils sont où? Ils sont là-bas. C'est eux, là? Ouais, c'est eux. On va aller se les faire. C'est quand même étonnant que les troupes puissent traverser en bateau aussi facilement, là, dans le détroit, là. Sans bateau, plutôt. Mais bon. C'est plutôt pratique, on va dire. Encore une guerre... Ah non, il y a quelqu'un qui lui déclare une guerre sainte ici. Ok, ça va lui faire des troupes en moins. Après, on peut peut-être y arriver à 1019, hein, sans qu'il ait fini sa guerre sainte, là. Il en est où? 30%. Ouais, il en est loin encore, hein. Il en est loin encore, donc... on va peut-être pouvoir... faire cette guerre sainte contre Alexandrie avant la fin de sa propre guerre sainte à lui. Ce serait une bonne chose. Zélon Macedon a atteint désormais l'âge légal de la majorité et est devenu théologien érudit. Parfait. Excusez-moi, à chaque fois j'ouvre le mauvais panneau. Ils ont eu un fils. Alors c'est ma fille qui a eu un fils, mais qui n'est pas légitime de la dynastie. Très bien. Bon, monseigneur, j'ai le plaisir de vous informer que ma mission à Chivin a porté ses fruits. Donc lui, il doit nous kiffer maintenant. Ouais, parfait. Je regardais d'ailleurs parmi mes vassaux s'il n'y en a pas d'autres qui nécessiteraient justement une intervention de notre part. Pourquoi il ne donne pas d'argent, lui? Ah, c'est parce que j'ai trop de vassaux. D'accord, d'accord. C'est toujours un problème. Ça va être dur de les capturer, je pense. Quoique... Non, c'est bon. Parfait, offrir la paix, donc lui on va directement le décaniller. Si je le bannis, est-ce que j'ai de l'argent? Non. On va l'exécuter par contre. Alors que eux ils sont de retour. Encore une fois. Pas nombreux, ils sont pas assez nombreux de toute façon pour nous avoir. Ils sont plusieurs maintenant, d'accord.
Le problème, c'est comme ils restent sur la côte, forcément, on n'a pas le temps de, on n'a pas le temps d'aller les arrêter. D'où Innocentius de Chypre a découvert la vérité aussi répugnante que bizarre à propos des penchants sexuels de D'où Héracléios. Il m'aime bien, lui un peu moins. On va garder tout ça pour nous-mêmes. Ça ne sert à rien d'envenimer la situation. Il y en a d'autres ici. Allez, donc là, c'est une invasion, là. Pur et simple. On va demander à la garde Varek de venir mettre un peu d'ordre dans tout ça. Ils vont où, eux, là? J'ai peut-être été un peu trop vite là, on va voir. Non, c'est bon, on les a explosés. Ils peuvent repartir. Ici, ils ont l'air de quitter notre empire là. Tant mieux. Mais ils restent quand même sur nos côtes. Pour éventuellement refrapper plus tard. Après 100 années, pardon, sous le royaume d'Anatolie, le duché de Colonnais n'est plus considéré comme faisant partie du jure du royaume de Arménie. Super. Super. En préparant la liste des invités au banquet, je me suis demandé si je devais inviter une de mes amies. Bien sûr, c'est mon frère surtout. La mission à Kartili est un succès. Lors de ma visite à la cour de despote Arushirvan le chuchoteur, j'ai réussi à lui faire comprendre que c'est un seigneur bienveillant. Ok. Je courais dans tous les sens en exhortant tout le monde de redoubler d'efforts afin que tout soit prêt pour le banquet lorsque les premiers invités sont arrivés. J'attendais impatiemment Prince Grigorius tout en veillant à ce que chaque invité se sente à l'aise et se trouve à sa place à ma table. Il est arrivé le dernier. Très bien. Il en est où là de sa guerre? 48%. On est en 1013. Et il perd pas forcément de troupes. Ils arrivent pas à se défendre, j'ai l'impression, là-bas, là. Alors c'est quoi sa guerre sainte exactement là? C'est pour là. A créé le titre de émirat de Ascalon, très bien. Ouais, il est en train d'essayer de capturer ça et j'ai l'impression qu'il y arrive. J'ai l'impression qu'il y arrive, le malheureux. Ah, j'ai encore d'autres pierres ici. Hein. Ça n'arrête pas. Allez, on va avoir le temps de partir, bien sûr. Voilà. Ah, lui, il est stressé, par contre, ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. C'est parce que la taille de l'escorte ne correspond pas à ce que j'ai là. Et c'est un bug. Ça ne correspond pas du tout même. Elle semble plus petite. Alors est-ce que c'est lié à ça? Je ne pense pas. Je pourrais éventuellement baisser la centralisation là parce que le nombre maximum de vassaux est de moins 5 là.
Ça m'apporterait quoi le rêve entre un équilibre entre une efficace poignée de vassaux et un domaine puissant pour les grands seigneurs. Taille du domaine plus 2. Ouais, je vais la passer en moyenne, histoire de corriger ce problème de vassaux là qu'on a depuis un certain temps. Voilà, on a 36 maintenant. Et du coup, on va percevoir un peu plus d'impôts maintenant. Il en paye beaucoup, lui. Hein. On a combien en impôts, là? 31, parfait. Et ils aiment bien venir piller Constantinople, quand même. Hein. Ils adorent ça. Il y a plein de thunes à se faire là-bas, forcément. Bon, j'hésite toujours à faire la guerre, là, pour Alexandrie. Il reste que 5 ans de trêve. C'est pas énorme. Là, il perd des troupes encore, là. Je pense que je vais vraiment attendre la fin de sa guerre, là. Et puis, on ira à ce moment-là, je pense. Et du coup, on pourra réparer, enfin, mettre fin au grand schisme, plutôt. Et là, ça va être vraiment nickel, les amis, parce qu'on aura... On aura, comment dire, résolu un des grands objectifs de cette campagne. Alors, il nous faut 2000 empiétés, quand même. On en est loin, et je pense pas que ce sera sous Marcos le Sage... en piété mensuelle, là, c'est pas beaucoup. Il faudrait éventuellement que je change ici son intérêt. Faut que je gagne davantage de piété. On va laisser augmenter pour l'instant. Piété grâce au bâtiment. Sinon, c'est les bâtiments qu'il faut qu'on améliore également. Pour pouvoir le faire. Bourgmestre Innocentos vous transmet l'information que plusieurs membres de la garde Vareg ont enfreint les règlements. Alors, lui, 34. Ah bah tiens, on va prendre ça, comme ça va permettre d'améliorer les relations avec lui. On va leur dire que c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il veut lui? On va accepter. On va accepter. Monseigneur, j'ai tenté de faire comprendre à Despot Anushirvan, le shotter, combien vous êtes un suzerain bienveillant. Mais les forces malveillantes de sa cour ont vite discrédité chacune de mes actions. Ouais, plus de mal en effet. Alors, je sais pas si on va avoir le temps d'aller les contrer eux là-bas au nord. Ah oui, alors pour augmenter ma piété, il va falloir que je construise davantage de bâtiments. Donc je les améliore en tout cas. Thierry de Soulaiman de Qatar a déclaré la révolte aquitaine, a déclaré une révolte à Roi Gaucher 2, très bien. On va désactiver les alertes pour lui, parce qu'on en a plus trop besoin maintenant. C'est bien qu'on augmente l'infrastructure des églises là. On est loin encore. Parce que j'ai pas trop d'action en plus pour gagner de la piété. Ça ne donnerait rien.
ici toutes les églises ont été augmentées déjà. J'ai pas le temps de... j'ai pas le temps de le lire celui-là. Depuis mon arrivée à Constantinople, je n'ai jamais manqué de soldats. Parfait. Alors attendez, je vais mettre un peu en pause là parce que j'ai pas le temps du coup de voir. Ici, on est bon. Comté de Acre. Ici, je pense que c'est bon aussi. Ouais, j'avais mis au max. Alors sinon, il faut que je construise d'autres églises. Genre ici, un temple. Pareil, on va construire un temple. Et là aussi, ça nous coûte un peu de thunes, mais c'est pas grave. Ça va nous faire un peu plus de piété du coup. Alors j'ai quand même passé là-dessus. Théologie là, si jamais on survit, non à mon avis il a 63 ans là, je pense pas qu'il survive à ça. Ce serait bien que Marcos II quand même puisse mettre fin au grand schisme, ça lui ferait, enfin il a capturé Jérusalem quand même, il peut être fier de lui. On est en train de perdre cette guerre là, quoique non je pense que ça va le faire parce qu'ils sont nombreux face à lui. Je sais même pas où ça se trouve. Sont là. Alors, je pourrais éventuellement enlever des troupes par ici. On va faire ça. On va déjà envoyer cette petite armée là. Comme ça on pourra dire qu'on a participé. Qu'on n'est pas resté les bras croisés. C'est une belle victoire d'ailleurs ça, ils auraient pas pu le faire eux-mêmes ça dis donc. On est passé à 100 là. C'est grâce à nous que vous avez gagné. Il leur fallait juste ça. Il leur fallait juste ça. Nous demandons l'honneur de votre obligation de répondre aux appels aux armes. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Ah ça y est, il est roi lui, d'accord. C'est qui lui? C'est son héritier du coup. Pas de bol, ma fille elle sert à rien dans l'histoire. On va l'accepter, allez. Accepter ne veut pas dire forcément participer. Quoi qu'il y a pas mal de monde quand même. Hein. C'est une grosse guerre qu'ils avaient là. Il en est où lui? 22 000. Il est en train de la gagner. Ah, il est à 13 quand même. Il m'aime pas trop mal. Malgré nos différends. On est en 1016, il reste 3 ans. Donc je pense qu'il faut qu'on patiente. Faut pas qu'on brise la trêve. Ça serait vraiment bête. 20 janvier 1019 en plus. Ça serait bête de briser la trêve. Du coup, là, elle est en train d'augmenter mon escorte. Alors, je pense que c'était un problème de limite de vassaux, peut-être, là, qui faisait que... Non, 7100, non, c'est pas ça. C'est pas ça, je me trompe.
Il va falloir que je regarde ce qui influe sur ça justement. Ouais, si on est toujours en train de... Non, ça a été construit déjà? Je pensais avoir lancé la construction de bâtiments. Où sont-ils? Dans tout le royaume, on a remarqué votre intérêt pour les études religieuses. C'est sur évêque Isaacios de Idrunton que cette nouvelle a fait la plus forte impression. Vous avez obtenu une correspondance. Vous avez, pardon, entretenu une correspondance sur diverses questions religieuses et philosophiques depuis un certain temps et vous avez constaté que vous devenez rapidement bons amis. Parfait, mais moi c'est pas ça que je veux. Nouvelle maison est passée au premier plan politique de Vénitien sous patricien Thomas de Gabrielopoulos. Très bien, oui, donc j'avais construit, j'avais demandé. Pourquoi ça ne marche pas? Se passe-t-il? Le roi italien a perdu, tiens donc. En même temps, je l'aide pas beaucoup. Vous allez dire. Ouh, je peux peut-être grappiller des territoires là, en attendant. Ah non, parce que je suis déjà en guerre. La djihad pour Gujarat a échoué. Ha ha ha. Eh ben, c'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux. Alors, ils avaient peut-être pas envoyé assez de troupes. La population de Jérusalem a été convertie à la religion orthodoxe. Ça, c'est cool. Voilà qui est parfait. Pourquoi je ne peux rien faire là? Ah non, il est déjà en cours, d'accord, c'est juste qu'il n'y a pas d'indicateur. J'ai mal lu. Il doit être fini en 1017, soit très bientôt. Ordre du Saint-Sépulcre. L'ordre a travaillé sans relâche pour protéger les sites et les reliques sacrées pour les chrétiens en Terre Sainte depuis sa fondation en 313, date à laquelle l'édit de Milan légalisa le christianisme dans tout l'Empire romain jusqu'à une date récente. L'ordre était constitué, je pense, de nombreux ordonnées du clergé qui entretenait et protégeait ces sites religieux par des moyens principalement pacifiques. Mais le monde a changé et cet ordre est devenu de plus en plus militarisé, comportant désormais des soldats professionnels dans ses rangs. Ils ont réaffirmé leur dévouement à la protection de la Terre Sainte contre les envahisseurs païens, mais ce serment s'étend désormais également à la défense de toute la chrétienté orthodoxe. Ça c'est cool parce que ça veut dire que... Ouais, on peut éventuellement engager ici l'ordre sacré pour venir nous aider pendant la guerre. Donc si on déclare la guerre à Alexandrie, la guerre sainte, ils pourront venir nous aider. Donc ça nous fait quand même 6000 hommes en plus, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est vraiment pas rien. Mon sujet favori ne m'intéresse plus, je ne parviens plus à en parler avec le même zèle qu'autrefois. Avant j'étais barbant. Je perds la caractéristique zélée. Ah zut, parce que du coup je perds un de piété par mois. Ce n'est pas forcément mon but. Et toi en piété, t'en es où là? Parce que si jamais c'est à toi de le faire, il va falloir que tu gazes. D'où Constantinos le Gros a usurpé le titre de comté de Monenvasia de Romaine Magnatis. D'accord. Ça te fait plaisir. Bon les amis, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. On va commencer à planifier notre conquête d'Alexandrie qui devrait se faire d'ici 3 ans normalement. Il est toujours en guerre lui, mais à mon avis il va rapidement reconstituer les troupes. Donc il va falloir qu'on frappe rapidement. La guerre civile italienne visant à affaiblir l'autorité de la couronne a pris fin. Roi Mathias de l'Italie a perdu. Ok. Donc voilà, on va préparer la guerre très doucement et puis on pourra comme ça mettre fin au grand schisme. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc je vous dis à très bientôt les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez me découvrir. N'hésitez pas également à commenter et à cliquer sur le petit bouton j'aime si vous avez aimé cet épisode. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, enfin peut-être pas la semaine prochaine mais très rapidement en tout cas, pour la suite de nos aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous !